Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ce direct live sur les journées portes ouvertes de l'école de paysage. Merci de nous rejoindre derrière vos écrans. Alors, ce direct live est donc destiné à présenter les étudiants, la vie étudiante, des témoignages aussi de parcours, et donc une rencontre et un échange avec les étudiants ici sur ce plateau. Alors, vous pouvez vous aussi depuis vos écrans et bien échanger avec le chat sur la plateforme YouTube pour poser vos questions aux étudiants. Alors, on va rapidement faire un tour de table pour présenter chacun de nous. Bonjour à tous, je m'appelle Manon Gascon et je suis actuellement en DEP1 à Versailles. Bonjour à tous, moi c'est Ambroise Carle, actuellement en DEP2 à Versailles. Donc Vincent Guinet, je suis diplômé de cette année de l'école de paysage, du diplôme d'état de paysagiste. Bonjour à tous, je suis Maxime Bohaï, je suis étudiant en DEP3 à Versailles. Bonjour, moi je suis Clémentine Joly et je suis étudiante en DEP3 sur le site de Marseille. Alors donc nous allons ici vous présenter la vie étudiante sur l'école, le site de Versailles et de Marseille, car ce sont quand même avant tout les étudiants qui font quand même l'identité aussi d'une école. Alors on va maintenant détailler chacun de nous nos parcours, vers où on est passé, témoigner de nos différents parcours. On vous a préparé un beau petit diaporama. Alors, Clémentine. Donc voilà, moi je suis issue d'un bac à appliqué que j'ai fait dans le sud-ouest de la France où j'ai poursuivi avec un BTS aménagement paysager avant d'avoir envie d'expérimenter le terrain et donc de travailler pendant un an et demi dans les jardins. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire pour obtenir le concours et entrer dans l'école il y a maintenant presque 3 ans. Du coup, Maxime Bohaï. Ce que vous voyez, mais que je ne vous ai pas encore dit, c'est que je suis président de l'association Picorama, que je vous présenterai tout à l'heure. Pour mon parcours, j'ai fait un bac ES, donc général, puis j'ai fait un BTS aménagement paysager, en parallèle duquel j'ai ouvert ma micro-entreprise pour faire de la création et de l'entretien de parcs et de jardins. Donc au terme de mon BTS, une enseignante m'a conseillé, m'a dit « tente ta chance, tu verras bien pour le concours de l'école ». Donc en fait, j'avais la solution de repli avec l'auto-entreprise si je ratais le concours. Mais comme je l'ai réussi, je suis rentré dans cette école depuis maintenant 3 ans et je ne le regrette pas. Du coup, de mon côté, j'ai d'abord fait un bac littéraire avec option art plastique. Et dès que je suis sorti de ce bac, je savais que j'avais envie de dessiner. Donc j'ai d'abord passé 3 ans d'études à l'École nationale supérieure d'archi et de paysage de Lille. Et après avoir vu les portes ouvertes il y a 2 ans ici, j'ai tout de suite eu envie d'entrer à Versailles, surtout pour son ouverture dans tous les domaines. Donc là, je suis en première année de master. Donc moi, j'ai fait un bac SLD2A, donc sciences du design et des arts appliqués. Et dès le début, j'avais quand même une grande envie de travailler dans le paysage. Et j'ai choisi de poursuivre sur un BTS aménagement paysager pour apprendre le côté assez technique dès le début. Et on m'a beaucoup parlé donc, de l'ENSP. J'avais la chance d'avoir la prépa d'Antibes dans mon lycée et on m'a vraiment poussée à participer au concours, à faire le concours pour entrer dans l'école. Et je suis là donc, depuis septembre et je suis assez surprise au niveau du suivi pédagogique, au niveau de l'école. Enfin, pour moi, ça a beaucoup changé au niveau du BTS. Et je suis très ravie, je compte poursuivre sur le site de Versailles pour être concepteur paysagiste plus tard. Donc moi je suis diplômé donc, de cette année, de 2020, de septembre 2020 de l'école de paysage. Je suis actuellement étudiant architecte urbaniste à l'école d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée. Alors moi dès la sortie en fait, du collège, en passant le brevet, donc, je me suis dirigé vers un bac pro en aménagement paysager en liant le dessin, j'étais passionné par le dessin et le végétal et le jardinage aussi, le jardin. Donc j'ai fait ça à Redon, donc en Bretagne. J'ai poursuivi ensuite sur un BTS en aménagement paysager au lycée Jules Rieffel à Saint-Herblain. Donc ici en voulant compléter mes compétences plus techniques que j'avais acquis en bac pro. J'ai tenté le concours pendant le BTS, je l'ai raté. Alors j'ai poursuivi sur une licence en infographie paysagère pour développer plutôt le côté eh bien, de rendu, le graphisme pour les projets.
Et là, donc, j'ai tenté le concours une nouvelle fois en DEP 1 et en DEP 2, donc une admission sur titre. Et j'ai été retenu donc, pour les deux. Donc j'ai choisi plutôt la voie d'admission sur titre en DEP 2. Là, je rentre à l'école de paysage. Et donc, ce qui m'a marqué plutôt, donc, c'est le travail en atelier, la culture du projet à l'école de paysage, et puis ce cadre qu'on a au Potager du Roi, notamment. On va en discuter un peu plus tard. Et donc, je passe mon PFE, mon projet de fin d'études, en septembre. Je suis donc diplômé en septembre, et je poursuis mes études sur un diplôme donc, d'architecture et d'architecte urbaniste à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, afin de développer les questions plus urbaines du projet aussi à l'échelle plus urbaine et architecturale, avec un travail avec des architectes qui ont aussi poursuivi. Donc voilà mon parcours. Je pense que c'est intéressant de préciser, puisqu'on a tous ici fait un BTS aménagement paysager, c'est important de préciser qu'on ne vient pas tous de BTS aménagement paysager. Dans les promotions, c'est extrêmement varié. On peut venir à la fois de design d'espace comme de droit ou qu'est-ce qu'on avait d'autre de langue, de géographie, de beaux-arts. Des beaux-arts. Et c'est justement ça qui fait la richesse de l'école, puisqu'il y a vraiment un brassage des différents parcours qui fait que chacun finalement a quelque chose à apporter à un instant T ou à un moment dans le projet. Oui, totalement. On apprend évidemment des enseignants, des intervenants, mais aussi beaucoup des autres avec des horizons et des écoles diverses et variées, des parcours très variés. Ça, c'est important. On va donc présenter plutôt la vie étudiante avec les associations, les événements, les rencontres qui rythment un peu les années d'études à l'école de paysage. Donc on va commencer par le bureau des étudiants en école de paysage. Et bah, du coup, le bureau des étudiants en paysage, BEDEP, pour faire court, dont je suis le président depuis cette année, c'est un peu comme pour rappeler cette question du brassage, en fait, qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de milieux différents. En fait, c'est un peu une effervescence étudiante, cette école. Et donc, le bureau a un peu pour but d'amener à la vie les initiatives étudiantes, qu'il s'agisse de création graphique, de photographie, de projets, de faire des pulls, des calendriers, tout ce que vous voulez. Le bureau est là pour mettre à jour ces idées et puis les réaliser, tout simplement. Donc là, sur le diaporama que vous voyez, on est, c'était il y a 2 ans, j'imagine, sur les différents salons et moments de vente au cœur du Potager du Roi. Et donc, on présente nos affiches, on vend nos créations, des marque-pages, des illustrations. On est surtout là pour se faire connaître, parler de la formation aussi avec les gens qui ne connaissent pas exactement le côté étudiant du Potager du Roi. Et je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Donc du coup, on voit par exemple à gauche un exemple de calendrier qui était en vente il y a 2 ans, comme on peut voir aussi ici dans le coin de la vidéo. Et aussi à droite, l'équipe actuelle du BDE, donc on me voit avec le petit chapeau de Noël, Anaïs, une étudiante qui est partie en Erasmus, Gilliane à droite, et aussi notre fameuse vente de crêpes, l'une des meilleures activités préférées des Versaillais sur les moments de vente. Voilà. Donc, dans les autres associations étudiantes qu'on a au sein du Potager du Roi, il y a l'association Picorama. Donc, son nom est assez transparent. En réalité, c'est un poulailler qui est géré par les étudiants et par le personnel de l'école. En fait, c'est le but premier, c'est avant tout de se rencontrer et d'échanger et d'avoir un projet collectif concret. Ce poulailler, il se situe dans un carré qu'on appelle le 2e D11, dans lequel il y a des parcelles potagères étudiantes, c'est-à-dire que tous les étudiants ont par groupe de 3 ou 4 une parcelle de 20 mètres carrés à cultiver au fil du cursus, au fil des 3 ans. En fait, ça permet d'expérimenter un rapport au vivant direct, de tester de nouvelles choses et puis aussi de se nourrir un petit peu. Et donc en fait, ces parcelles potagères, elles sont en relation avec le poulailler, puisqu'on s'appuie pour récupérer de la matière ou même mettre les poules sur les parcelles et faire du jardinage avec elles, puisqu'elles grattent le sol. Et oui, j'insisterai sur la photo que vous voyez à droite. C'est une association qui sert surtout
à se réunir. Et ici, sur la photo, il y a des étudiants des trois promotions différentes de cette année-là. Et donc, encore une fois, on en revient au brassage. C'était vraiment, c'est une des occasions qu'on a aussi pour créer du lien et se rencontrer. Alors oui, c'est vrai que j'insisterai quand même sur les parcelles étudiantes, c'est vrai que c'est quand même presque un échappatoire des fois dans des moments un peu plus où il y a beaucoup de travail dans les projets. Donc ça permet aussi d'aller jardiner à la fin de la journée ou dans la journée sur sa parcelle, sa propre parcelle avec plusieurs étudiants. On fait sa petite culture de légumes pour ensuite les manger évidemment. Et puis c'est lié aussi à des activités avec le département écologie. Donc on a des journées comme ça de prévues, jardinage, expérimentation sur la parcelle, qui permettent eh bien, de tester des choses et de faire un petit compte-rendu de ce qu'on a pu faire dans l'année sur cette parcelle-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose dont on le voit dans nos projets, notamment quand on rencontre des étudiants d'autres écoles, on se rend compte que par cette pratique du jardinage, on a certains réflexes dans les projets de penser souvent par le biais de l'agriculture, par le biais de la production et aussi des gestions collectives des lieux. Et du coup, ça enrichit réellement notre parcours ici. Oui, il y a très peu d'écoles qui permettent ça, c'est vrai, d'avoir une parcelle comme ça, potagère. On a quand même 9 hectares sur le potager du roi, ça permet quand même de s'échapper un peu des projets parfois un peu complexes. Sur un site classé, quoi. Mais, en plus. Ouais. Ah oui, ce qu'on peut préciser aussi, c'est qu'on est sur un site du coup qui est ouvert au public. Et donc ces moments de jardinage, ils s'enrichissent aussi de discussions avec le public qu'on peut croiser, qu'on peut rencontrer et qui nous posent souvent des questions des questions plutôt simples mais qui engagent des discussions intéressantes. Et on pourrait presque en fait dire que c'est un peu une extension de notre chez nous, de notre petit appartement sur Versailles ou autre. Enfin vraiment c'est un lieu frigo. De vie, ouais, c'est ça. Donc on passe aux rencontres. Dans les slides rencontres, on a voulu vous parler de différents événements qui ponctuent notre année ici. Donc ici, vous avez des photos de la rencontre inter-école de paysage qui s'est tenue à Angers là, en 2020. L'idée, c'est que les différentes écoles du paysage, les 5, il me semble, enfin, plus une autre, se réunissent pour discuter à la fois de la façon d'enseigner notre discipline, mais aussi sur la définition du métier ou encore les différentes découvertes pédagogiques qu'on peut faire dans les différentes écoles. Et c'est un moment réel d'échange entre les étudiants de différentes écoles qui après débouche sur des suites dans ces relations, je le pense, des suites pour la vie d'après, le monde professionnel. Totalement, même lors d'événements qu'on peut organiser entre nous, de conférences ou d'expositions ou autres. C'est ça, dont on va parler juste après. Voilà, donc sur cette slide suivante, en fait, avec des partenariats comme ça, inter-école, avec l'école d'architecture notamment de Versailles, on organise, nous étudiants, eh bien des conversations, des conférences sur un thème donné avec plusieurs étudiants. Donc là, c'est les conversations étudiantes. Il y a aussi les duos du paysage avec des invités, des experts, des professionnels, des paysagistes, des urbanistes ou des climatologues qui viennent intervenir sur un thème donné, un sujet. Donc ça, c'est vraiment une organisation qu'on crée en tant qu'étudiant sur le site. Avec toute une programmation derrière d'activités et de conférences. Et on a aussi donc le site le permet de pouvoir exposer aussi des travaux d'étudiants qui mènent parallèlement aux études de paysage, des travaux de dessin, d'exposition, de travaux de voyage qu'ont pu faire les étudiants. Ouais. Moi, je rajouterais peut-être sur les conversations étudiantes que vous voyez tout à gauche, c'est vraiment des choses qui se construisent entre étudiants. Et qui naissent d'un besoin de diffuser finalement le savoir qu'on mange au quotidien ici. Et donc
ces conversations qu'on avait organisées, il y a eu deux éditions, il me semble, deux ou trois. Oui. C'était réellement enrichissant à la fois pour les étudiants qui ont présenté, puisque ça nous apprend tout simplement à faire une conférence, et aussi dans les échanges, les débats qu'il y a eu par la suite avec les différentes personnes qui y ont assisté. Il y avait des étudiants d'autres écoles, oui, c'est ça. Il y avait aussi des professionnels, et finalement c'était des temps d'échange extrêmement riches. Surtout que c'est un événement qui est voué en plus à se déplacer dans diverses écoles traitant de l'architecture, de l'art, du paysage, de l'urbanisme. Donc il n'y avait pas seulement des étudiants de l'école de paysage qui participaient, mais bien d'autres étudiants, notamment aussi des associations comme Topophile, une revue numérique qui traite des questions d'urbanisme et du paysage. Là, du coup, ce que vous voyez à l'écran, c'est Crate à Aigus. C'est un peu différent des conférences, mais ça reste une initiative qui vient de nous, les étudiants. Du coup, c'est un fanzine artistique qui sort en moyenne 2 à 3 fois par an, qui a été lancé par des étudiants qui sont maintenant diplômés et sortis de l'école. Et ce fanzine artistique regroupe des créations d'une quinzaine d'étudiants. Et à chaque numéro, on a aussi un intervenant extérieur. La dernière fois, on a eu un certain Gilles Clément. On a aussi des professeurs de l'école qui participent joyeusement à cette création. Et du coup, c'est autour d'un thème. Ce thème est un mot. Et c'est un mot de la langue française qu'on utilise extrêmement rarement. Du coup, c'est vraiment le moyen pour les étudiants de juste se lâcher de manière graphique, proposer des créations, des émotions, nous faire part de leur imagination, tout simplement. C'est un esprit un peu décalé, parfois un peu délirant, qui fait la force de cette école aussi. C'est à la fois des dessins, ça peut être aussi des photos. Il y a des textes, des interviews, ouais, tout à fait. Donc ici, vous voyez la fête de la Rougeoire, qui est un des temps forts de l'année au Potager du Roi. En fait, il se déroule durant la première année dans l'école. Donc là, vous voyez la fête de l'arrosoir 2019, qui est la dernière qu'on a pu organiser, 2020 ayant été compromise. En fait, c'est une soirée organisée il me semble, de 20h à 6h du matin avec plus de 1000 personnes. C'est une soirée qui a tout d'une soirée officielle, puisqu'elle est déclarée en préfecture, qu'on a tous les différents partenaires à trouver, les différents chanteurs qui viennent sur scène, musiciens. Il y a aussi un repas d'organiser. Mais ce qu'on veut montrer par cette idée, c'est que en fait, c'est un réel projet collectif avec toute une promotion. Donc, c'est la première pendant la première année. Donc, c'est vraiment un moment fédérateur pour la promotion. Et quoi dire de plus, c'est génial. Et il n'y a qu'ici qu'on peut faire ça. Quatrième. Ouais. Alors, les étudiants sont aussi évidemment amenés à participer à des salons étudiants, des salons plus professionnels, et puis évidemment aux portes ouvertes, en présentiel, mais ici évidemment en virtuel aussi, en distanciel. Donc notamment pour témoigner de leur parcours, témoigner aussi du travail qui est effectué dans le projet, en atelier, témoigner aussi de la vie étudiante sur l'école. Donc que ce soit auprès des plus jeunes, notamment lors du salon de l'agriculture par exemple, ou alors lors de témoignages dans les écoles, donc auprès des lycées ou des collèges. Pour continuer sur ces rencontres, je tiens à dire que l'école nationale supérieure de paysage est située juste à côté de l'école nationale supérieure d'architecture de Versailles, vraiment à 2 minutes à pied. Et du coup, ce qui fait que cette proximité nous a amené à faire plusieurs rencontres, plusieurs associations. Et par exemple, ce que vous voyez à gauche avec plein de belles couleurs sur votre écran, c'est le dépliant des différentes activités sportives que l'école d'architecture nous permet de faire avec elle, tout simplement. Donc moi, par exemple, j'ai pu faire du rugby l'année dernière, aussi même du handball. On avait un groupe d'escalade qui s'était formé. C'est vraiment très, très ouvert. Ils ont des moyens différents des nôtres et des locaux différents des nôtres. Donc c'est toujours bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et voilà, tout simplement. Ce que vous voyez à droite, par contre, la photo de groupe dans nos petites serres, c'était une des rencontres l'année dernière qui a eu lieu entre des étudiants des Beaux-Arts, des étudiants d'architecture
et nous. Donc ça nous voit, on est sans masque, c'est tout content dans la serre. Et tout simplement, c'était pour échanger sur les différentes pédagogies, les opportunités d'associations qui s'ouvraient à nous, quel genre d'exposition on souhaiterait faire, quel genre de lien on souhaiterait faire entre les écoles. De là est né un début de workshop, par exemple, pour faire un abri à vélo pour l'école. On a plein d'opportunités comme ça qui se présentent à nous. Donc voilà. Alors tu parlais de la serre, évidemment c'est un lieu quand même hyper important, très important pour les étudiants. Mm-hmm. C'est la serre étudiante où eh bien, on organise les soirées quand on peut évidemment, mais aussi des petites expositions temporaires avec des affichages dans ce lieu très, très lumineux. Et puis aussi les apéros post-rendus, à la fin de rendu on va en parler, où eh bien, les intervenants, les professeurs, les encadrants sont invités avec les étudiants à échanger autour d'un verre sur ce projet. Sur le projet. C'est aussi le lieu de toutes nos pauses, oui. Puisque travailler à l'atelier, c'est, bon évidemment, moins maintenant dans ces conditions, mais c'est travailler beaucoup d'heures dans la journée. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein de moments où on a besoin de décompresser, de sortir du cadre de l'atelier, et donc se retrouver dans la serre avec des étudiants d'autres promotions, c'est toujours des moments de partage exquis. Le mot est bien. Le mot est choisi. Alors, les étudiants sont aussi amenés à participer à différentes rencontres, notamment ici le prix du roman d'écologie qui est organisé par la revue Esprit, qui est le prix roman écologie. En fait, où c'est une lecture d'ouvrages liés à l'écologie de romans. Des étudiants de l'école de paysage sont invités. Par l'organisation pour lire ces ouvrages-là, en faire une critique, une sélection, et qui ensuite décerné au lauréat de ce prix-là. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça permet aussi de s'ouvrir avec de permettre des rencontres avec d'autres personnes, les lecteurs notamment, partager des connaissances, des références aussi de lecture d'ouvrages, et puis rencontrer aussi les auteurs de tous ces ouvrages-là. Donc c'est des moments très intéressants, très enrichissants pour les étudiants qui y participent. Et c'est une chance quand même d'être amené à participer à ces rendez-vous-là. Du coup, pour cette slide-là, ce que vous voyez à gauche d'abord, c'est l'invitation à un workshop à la fois de scénographie, de danse, d'art, qui s'appelle Camping, qui a lieu chaque année durant l'été. Et en fait, c'est encore une fois pour parler de cette effervescence, en fait, que ça soit d'opportunités de rencontrer des gens de tous les milieux. Et du coup, ce workshop, c'est une semaine où les étudiants de différentes écoles partout en France se regroupent autour de Pantin et travaillent sur un thème qui leur est cher par rapport à la danse, le travail du corps dans l'espace, etc. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités de rencontres de gens de l'extérieur pour un peu sortir la tête du guidon et puis se changer les idées. Et puis on a aussi des workshops beaucoup plus terre-à-terre, où on voit à droite par exemple la visite du territoire dans le Vexin normand, je pense, où on est là face à des vraies problématiques plus actuelles, où on rencontre à la fois des acteurs du paysage local et d'autres étudiants, d'autres écoles, chacun avec leurs idées, et c'est là qu'on apprend vraiment la vérité du métier, je pense. Oui, il y a même des workshops à l'étranger. On a réalisé notamment en Suède, avec un partenariat du coup avec une école de paysage aussi en Suède, avec un travail sur la densité boisée, un travail sur la plantation avec ces étudiants-là. Et donc en Suède, et ensuite ces étudiants sont venus à Paris aussi pour travailler, expérimenter le travail qu'on a pu faire en Suède sur des quartiers dans Paris. Donc ça, ce sont des échanges internationaux très intéressants, indispensables pour le métier aussi du paysagiste, permettent d'ouvrir vers de nouveaux horizons le métier. Et encore une fois, c'est un peu l'essence du métier du paysagiste, finalement, c'est de collecter tous les savoirs de différents points de vue. Et donc ces workshops, ces séminaires, ils nous permettent de rencontrer des personnes qui sont ailleurs que notre jargon, mais qui enrichissent notre jargon. Exact. Totalement. Donc là, on a... Alors, le potager du roi, comme on l'a dit, c'est un lieu vivant où il y a plusieurs événements. Les saveurs du potager, il y a Esprit Jardin aussi, je crois, en mai, le marché de Noël. Donc voilà, il y a plein d'événements comme ça qui viennent ponctuer l'année au potager du roi, notamment la Biennale d'architecture du paysage qui est venue aussi. Donc ça nous permet, nous, en tant qu'étudiants, de participer à ces événements.
De présenter des travaux, mais aussi de participer vraiment à cet événement et bien par la distribution de tracts, et bien échanger aussi avec les personnes, le public qui vient assister à ces événements-là, sur nos travaux, sur notre métier aussi de paysagiste concepteur. Donc voilà. Sur la photo de droite, c'est des conférences aussi, puisque le Potager du Roi, c'est un lieu ouvert au public. C'est un parc ouvert, donc les personnes peuvent venir le visiter. Et donc chaque année, on a beaucoup de visiteurs. Donc en tant qu'étudiant, on est amené à être conférencier, à donc faire des visites, des parcours de balades, de conférences sur le Potager du Roi. Donc c'est un emploi étudiant qui permet de faire découvrir aussi ce site, faire découvrir par la même occasion son métier, le métier de paysagiste concepteur. Je pense qu'on peut être très franc, c'est aussi l'opportunité d'avoir des jobs étudiants en parallèle des études. Oui, totalement. Et puis en plus, qui se cale parfaitement dans nos emplois du temps, puisqu'on est sur le lieu et qu'on n'a pas de déplacement, tout ça. Donc c'est des réelles opportunités de financières aussi. Oui, totalement. C'est à toi. Donc nous, sur le site de Marseille, on a aussi un BDE, mais qui est vu de l'échelle de l'école. Plus petit que celui d'ici, bien qu'on échange aussi notamment pour Cratagus, pour les suites, et qu'on soit très demandeur de participer quand ce sera possible à l'arrosoir. On a des projets en parallèle aussi avec notamment un collège dans le premier arrondissement de Marseille, où la documentaliste du CDI s'est tournée vers l'école du paysage. Il souhaitait réaliser un jardin de lecture pour les écoliers, les élèves de ce collège-là. Donc c'est un projet qui a duré sur plusieurs années, qui a été entamé par de jeunes diplômés là, sur la conception d'une palette végétale, en discussion évidemment avec les élèves aussi, sur leurs besoins de mobilier, pour s'installer dans ce jardin-là pour pouvoir lire. Et qui s'est concrétisé cette année avec les premières plantations avec les élèves à chaque fois où on essaie de leur transmettre aussi ce goût du jardinage, leur montrer comment on fait une bouture, leur expliquer le cycle des plantes, pourquoi on choisit telle espèce à cet endroit-là, et vraiment essayer d'avoir une approche très pédagogique avec eux. C'est pas simplement leur faire un jardin, mais c'est faire un jardin avec eux et leur donner ce goût-là aussi, que pourquoi pas ils viennent à l'ENSP par la suite. Il me semble que vous jardinez aussi à la prise de la Belle oui. de Mai, non ? Oui, je ne sais pas s'il y a une slide ou pas. Il n'y a pas de slide, non. On peut en parler. Mais ouais. Nous jardinons aussi à la friche de la Belle de Mai, donc nous n'avons pas le site exceptionnel du Potager du Roi. On en a profité en première année, mais nous avons fait des choix. Mais on a un site aussi... enrichissant puisque on est aussi au contact du public, donc dans la friche de la Belle de Mai, où il y a toute une constellation de petits jardins dans ce site-là que les étudiants choisissent et chouchoutent au fil de leur parcours. Donc on est amené à rencontrer les habitants de la friche, des gens qui viennent amener leurs enfants pour faire du vélo, des jeunes qui viennent faire du skate. Et du coup, tout le monde est un petit peu curieux de ça aussi. Et c'est un moyen aussi pour nous de communiquer sur notre pratique du jardinage au sein de l'école et du coup de communiquer sur l'école. Donc c'est assez important aussi. Et pour ce qui est des rencontres avec les autres étudiants d'autres disciplines, nous sommes en lien donc avec l'école d'architecture de Marseille et avec l'Institut d'urbanisme d'Aix-en-Provence. Donc on a des échanges et des workshops qui sont régulièrement organisés et on va avoir une forte concrétisation de ces réunions en fait entre nous avec l'Institut méditerranéen de la ville et des territoires qui va sortir de terre d'ici peu de temps dans le centre-ville de Marseille, donc qui va être un bâtiment qui va regrouper ces trois écoles-là avec non pas une aile paysage, une aile architecture et une aile urbanisme, mais bien des salles de cours pour tous, des amphithéâtres pour tous, des lieux de rencontre pour tous, un centre de documentation pour tous. Et donc, on va pouvoir davantage encore échanger sur nos projets à cet endroit-là. Et le temps de la construction, nous avons accès à un local qui a été nommé donc l'esquisse de projet, puisque c'est une façon de faire qui nous réunit tous.
sur lesquels, dans lequel on peut se rencontrer, parler de projets, exposer des choses, et donc préparer encore plus cette collaboration qui va avoir lieu d'ici peu de temps. Voilà, je tenais juste à dire en interlude, pour ceux qui auraient rejoint le live un peu plus tard, n'hésitez pas à laisser des commentaires, parents ou étudiants, dans la section commentaires au cas où. Donc voilà, on peut continuer. Oui. Et donc, évidemment, c'est ponctué, toute cette vie étudiante, par les moments conviviaux, tels que les apéritifs post-rendus, où on a pu le dire, on invite eh bien, les intervenants extérieurs, les encadrants des ateliers, donc de projets, dans un grand banquet un peu à la fin de l'atelier, qui permet d'échanger sur un petit moment convivial autour d'un verre sur les travaux qui ont pu être effectués, et bien sûr aussi sa profession, sur plein de discussions autour du paysage, mais aussi des petits déjeuners avant, donc pré-rendus, pour eh bien, mettre une ambiance plus propice lors des rendus. Avec là, c'est de l'atelier à San Francisco, un atelier qu'on a pu faire sur San Francisco, et des soirées étudiantes qui permettent donc des soirées thématiques, soirées de Noël, les soirées évidemment au début d'année en septembre, et puis on a la soirée la grande fête de l'arrosoir. Donc voilà, des moments comme ça conviviaux, interpromo, même en invitant aussi d'autres écoles. Qui permettent d'échanger sur plein de choses et puis évidemment de se relâcher du projet. Quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est des moments qui sont hyper importants, qui nous manquent évidemment en ce moment, mais ça, c'est un peu, c'est international même. Mais en fait, c'est des réels moments de partage pendant lesquels on rencontre vraiment les personnes sous un autre regard que le sérieux d'une présentation orale. Et en fait, je dis que c'est hyper important parce qu'en fait, ça nous permet de, donc je l'ai dit, de rencontrer des gens et puis après, de développer des affinités pour travailler ensemble, que ce soit après l'école ou même pendant, ça on n'en a pas parlé, mais en fait, les études en paysage, on a, en parallèle des études, on a beaucoup de sollicitations pour des concours en tant qu'étudiant, pour répondre à des concours pour différents projets. Je pense au concours des Salines Royales cette année, organisé par Gilles Clément, et qui... Même Chaumont-sur-Loire, parfois. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est des expériences professionnalisantes qu'on peut aborder d'une position étudiante et du coup d'une position où finalement, on n'a pas trop d'enjeux. Enfin, on n'a pas encore... on n'a pas grand chose à perdre, donc on y va, quoi. Et puis voilà, c'est des expériences pour lesquelles on apprend beaucoup et on apprend à travailler avec les autres. Et voilà. Totalement, oui. Et puis, pour revenir à ces soirées-là, c'est organisé par le bureau des étudiants, qui a un budget, évidemment, et puis qui organise tout ça, la scénographie des soirées. C'est vrai. Bah, par rapport à ces soirées, comme on avait dit, elles rythment un peu l'année après les différents rendus, les moments de grosse tension, et puis après, on se le relaxe, on profite. Et on peut même faire la rencontre des professeurs sous un autre angle, qui est très agréable aussi. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Ces soirées, c'est des moments qui sont vraiment essentiels à la vie de l'école et même sous des temps comme auxquels on est confronté actuellement, on continue de faire vivre des petites initiatives comme par exemple un nouveau piano qui va bientôt arriver dans les locaux de l'école pour permettre aux étudiants les plus musiciens ou même les nouveaux de s'essayer à cet instrument. On essaye tout de même de faire vivre les initiatives et nos idées même sans, j'ai envie de dire, ce médium de détente là. Voilà, suivez-nous. on a des pages. Gabriel en parlait ce matin sur le live, qui est le lien juste en dessous de cette vidéo. On a des pages sur Facebook, étudiants, anciens vétérans de l'ENSP, et la page du BDEP. Et on a aussi la page du BDEP sur Instagram, que vous avez affichée juste ici, et sur laquelle on est relativement réactif pour répondre aux questions. Donc n'hésitez pas, si après la conférence et après les questions, il y a d'autres interrogations qui viennent, vous pouvez nous en faire part directement sur cette page. Oui, cette page, en plus, on essaie de la faire vivre avec tous les événements, tous les projets qui rythment l'année.
Donc sur chaque poste, il y a évidemment des projets qui sont présentés, la vie aussi étudiante, la vie lors des rendus, l'ambiance qui peut se dégager. Évidemment, on répond à toutes les questions par l'intermédiaire de cette plateforme. Et on a une question qui est arrivée. Oui, on a déjà des commentaires. Du coup, on va se tourner au niveau de ces questions. Montrez-nous vos beaux calendriers. Écoutez, si on peut switcher côté caméra, là, j'ai un exemplaire qui date de 2018, du coup. Et comme vous l'aurez compris, les dieux du potager, plus près de la caméra. Si on peut le montrer plus près. Merci, Maxime. Donc, du coup, ça reprend un peu l'idée des dieux du stade, mais à la sauce versaillaise, vous l'aurez compris. Donc, les étudiants de première année qui souhaitent se prêter au jeu font ce petit shooting dans le potager, si possible avant 8h, avant 9h, comme ça les gens ne sont pas trop choqués depuis leur balcon. Et c'est toujours un exercice qui casse un peu, qui brise la glace entre les étudiants, qui casse un peu les barrières. Et ça fait du bien de faire ça, même s'il fait un peu froid. Quoi. Et donc il y a une version dieu du potager et une version déesse du potager. Depuis quelques années. Depuis 4 ans maintenant, les déesses du potager. Et donc. Dans l'idée, mais pour l'instant, personne n'a encore osé, ça serait de faire les dieux et les déesses, de mélanger. Donc là, on parle directement à ceux qui sont intéressés pour rentrer dans l'école. Venez avec cette idée de mixer dans le calendrier. C'est... Alors... Je suis actuellement en BTS aménagement paysager en apprentissage. L'école propose-t-elle une filière paysage en apprentissage? Eh bien oui. Eh bien oui, oui, oui. Oui. Totalement. Alors, pour le DEP, donc en deuxième et en troisième année, il n'y a personne. Non, moi, je ne suis pas en apprentissage. Non, pas en apprentissage. Mais oui, il y a bien une filière apprentissage à partir de la deuxième année, donc sur la troisième année, dans le cycle DEP. Alors, les professeurs participent-ils aux soirées? Eh bien, oui. On l'a dit. Eh bien, oui. Oui, ils participent. On ne vous dira pas où ils sont sur la photo, mais vous pouvez chercher. Oui, non, ils participent aux soirées. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. Ça permet d'échanger de manière plus conviviale sur les projets pour la suite. Et y a-t-il des soirées d'intégration? Oui, bien sûr. Enfin, quand on peut. Du coup, oui, on essaye toujours de faire des animations pour faire se sentir accueilli. C'est vraiment les moments les plus importants, donc vous inquiétez pas, il y a des moments et des soirées d'intégration. Mais c'est gentil, hein. C'est très gentil. Ah oui, mais par contre, c'est pas des soirées d'intégration où on fait du bisou. C'est des soirées classiques. Et c'est un moment où on en profite aussi pour mettre en place des parrains-marraines. Oui, très important. Pour les nouveaux arrivants, pour qu'ils aient un petit peu un référent au début. Pour poser des questions sur le projet, sur comment ça se passe, comment on peut justement venir s'intégrer aux associations, etc. Et donc on a tous un petit poulain. Voilà. Et on est tous le poulain de quelqu'un. Et on est tous le poulain de quelqu'un. Et ça nous permet aussi de rentrer dans la vie de l'école et de commencer à créer des liens. Oui, totalement. Alors, il y a une autre question. Donc, des conseils pour se préparer au concours. Des ouvrages à conseiller pour le concours externe. Il y a un fascicule qui est disponible, je crois, sur le site internet, sur l'école, pour tout expliquer sur la préparation au concours, des petits conseils. S'il y a des ouvrages à conseiller, il y en a à chaque fois. Il y a une bibliographie qui est disponible pour le concours, qui est attribuée, attitrée chaque année, en fonction d'une thématique plus ou moins propre au concours de l'année. Il y a notamment les carnets du paysage de l'édition de l'école de paysage qui sont très intéressants et qui regroupent des thèmes variés, très diversifiés, aux problématiques, aux enjeux, aux thématiques très intéressantes pour le métier d'architecte, de paysagiste. Donc ça, c'est des ouvrages qu'on pourrait conseiller. Après, des skills particuliers à acquérir en parallèle du BTS. Je trouve que l'important, c'est d'être ouvert d'esprit et d'essayer de toucher à tout, en fait. Que ça soit curieux. Voilà, faut garder sa curiosité, que ça soit du Photoshop, du dessin, de la peinture, de l'aquarelle. Faut vraiment essayer de toucher à tout et voir ce que l'étudiant préfère pour en faire un peu sa manière de parler graphiquement, quoi, tout simplement. Mais surtout, faut pas. Enfin, moi, pour parler de mon expérience, je sais que avant de passer le concours, je stressais beaucoup, notamment pour le dessin, parce que c'est quelque chose que je pratiquais pas forcément beaucoup.
Et finalement, une fois passé le concours, je me suis dit, mais cette peur était ridicule, puisque on ne cherche pas forcément une personne qui sait dessiner, puisqu'on va nous apprendre à dessiner. On cherche plutôt une personne qui a un regard. Et par exemple, dans les planches de dessin du concours, enfin, j'ai jamais été jury du concours, mais de ce qu'on sait en discutant entre nous, c'est qu'ils ne regardent pas la qualité du dessin. Ils regardent ce que tu as relevé, sur quoi tu t'es arrêté. Est-ce que c'est les bâtiments? Est-ce que c'est les arbres? Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est ce qui est invisible? Est-ce que c'est le vent, le soleil? Et je pense que c'est en ça que tout le monde peut prétendre à ce concours. C'est vraiment... faut apporter un regard et faut pas se mettre une trop grosse pression sur le dessin ou sur l'écrit. Faut y aller relâcher. C'est dur pour un concours, mais c'est ça. Mais c'est ça totalement. Quel regard vous posez sur ce paysage que vous avez pu voir lors du concours, votre propre perception, votre sensibilité aussi qui se traduit dans les dessins que vous faites, production graphique. C'est ça qui est important. Est-ce que le rythme d'études permet de travailler pendant les vacances ou bien les stages ont-ils lieu pendant les vacances? Sinon, quelle est la période et la durée des stages? Ça dépend en fonction des années, du coup. Ouais. On dépend, par exemple, au niveau des stages, on a toute la période de mars, tout le mois de mars, donc on ne comprend pas les vacances. Et au niveau du stage d'été, on a tout le mois de juillet en stage avec possibilité de partir à l'étranger, par exemple, pour ceux qui le veulent. Et c'est un stage C'est un stage ouvrier. Donc la première année, on va être que sur le terrain. Donc soit en création, soit en entretien. On peut être... En pépinière. Jardin. On peut faire du woofing aussi. Ouais. Donc beaucoup de possibilités de stage ouvrier s'offrent à nous. Et au niveau des propositions, on est assez libre de choisir ce qu'on veut. Donc c'est assez chouette. En France ou à l'étranger même, que ça soit pour n'importe quel stage. Oui. Du coup, après la première année et les stages ouvriers, on arrive en deuxième année où là, c'est un stage de 8 semaines, qui est un stage en agence sur la période juin-juillet, si je ne me trompe pas. Et du coup, là aussi, pareil, on peut choisir en France ou en international, selon les restrictions, bien sûr. Mais là, l'important du stage de deuxième année, c'est surtout d'apprendre la facette du travail en bureau du métier. Que ça soit en agence territoriale avec l'État ou alors des agences privées, vraiment de se rendre compte du travail plus d'ordinateur, je dirais. Et après, en troisième année, il n'y a plus de... En troisième année, on n'a plus de stage, mais j'avais un truc à dire sur les stages que j'ai oublié. Alors, moi, je précise que pour les stages de deuxième année, donc en agence ou autre, c'est 2 mois en été. Et en fait, vous pouvez le faire aussi bien en agence, mais aussi dans un PNR, un parc naturel régional, dans un service d'espace vert, dans un bureau d'études plus de petite échelle, plus privé. Un CAUE aussi. Un CAUE, conseil en architecture, en urbanisme, en environnement. Voilà, oui, il y a plein de structures possibles pour réaliser ces stages. Ça permet aussi de voir si on a envie d'aller faire un stage plutôt côté maîtrise d'ouvrage, donc oui. Les gens qui passent les commandes de projets de paysage. Totalement. Ou maîtrise d'œuvre, donc là où on fait projet. Et j'ai retrouvé, c'était sur la rémunération, oui. Parce que c'était dans la question. Du coup, après, ça dépend de chaque étudiant et des professionnels qui nous embauchent. Généralement, je ne veux pas faire de généralité, mais généralement... on est rémunéré. Après, voilà, ça dépend du patron qui nous embauche et parce qu'ils ne sont pas dans l'obligation forcément de nous rémunérer. Si ce n'est pour le stage de deuxième année qui dure 2 mois oui. Et qui du coup rentre dans là, oui. Une durée légale. Après, sur les temps des vacances, j'ai plus la question trop en tête, mais sur... Est-ce que ça empiète sur les vacances? Oui, c'est ça, je crois. Disons que c'est une école dans laquelle on s'engage et dans laquelle... Non, mais c'est vrai. Et hier, j'entendais dans la conférence avec Laure Planchet qui disait que c'était finalement, comme c'est un métier de passion, on y consacre vraiment beaucoup de temps. Et donc, en fait, dès les études, on consacre beaucoup de temps, y compris sur les vacances, parce qu'on a envie de bien faire nos projets, on a envie de faire de belles maquettes, tout ça. Et donc, du coup, on passe du temps sur nos vacances, mais après, ce n'est pas du tout obligatoire. Et puis, c'est chacun son organisation. Mais généralement, ça nous fait plutôt plaisir, finalement, de,
de travailler sans stress pendant les vacances. Et puis pour les stages, je rajouterais qu'on peut aussi, là c'est les durées de stage minimales, mais il y a certains étudiants qui sentent qu'ils manquent d'une expérience pour tel ou tel truc et qui vont rajouter un stage d'eux-mêmes, par eux-mêmes, sur d'autres périodes de vacances. Ouais. Du coup, là, il y a une autre question. Est-ce que vous pouvez nous donner chacun un exemple d'un exercice qui vous a marqué et pourquoi ? Ah, ok, grosse question. Manon, tu veux commencer ? Moi, j'ai fait que deux ateliers à l'école. Donc, les ateliers, c'est là où on va aborder une thématique, un exercice pendant 2 à 3 mois. Donc, j'en ai fait que deux et je sors la semaine dernière de l'atelier 2, qui est un lieu dans la ville où on exploite vraiment la démarche de projet. On a avec des paysagistes, des architectes, des artistes qui vont nous aider tout au long en fait, de ce processus créatif. Et j'ai vraiment aimé cet atelier parce que c'était un peu le premier à l'ENSP. Et j'ai vraiment aimé en fait, ce suivi pédagogique où on est libre de faire ce qu'on veut. On est libre d'avoir nos idées. On a quand même tout au long des conseils. Et au niveau des rendus aussi, on est assez libre. On dirige notre projet comme on veut en binôme. Et il y a toujours ce dialogue constant avec les étudiants et les professeurs, donc la T2 Conduire le vivant, pour moi, ça a été vraiment un bon atelier, bien représentatif de l'enseignement de l'ENSP. Du coup, moi, je vais continuer. Sur la première année de master, moi, il y a un exercice qui m'a vraiment marqué, c'est celui de l'Atlas, où en fait, on va tout d'abord, là, c'était au tout début d'année, on a passé une semaine sur un terrain fixe, un terrain qui peut être partout en France. Donc, du coup, on est par équipe de 3, 4 étudiants, voire 5. Et le but pendant cette semaine de voyage, ça va vraiment être de prendre un maximum d'informations sur le territoire, rencontrer des gens, des agriculteurs, des gens qui travaillent dans les mairies, toutes les personnes qui ont vraiment un regard sur le territoire qui leur appartient, tout simplement. Et en fait, avec cette semaine de terrain, ça va être le début d'un long exercice qui va être une espèce de reconstitution de qu'est-ce qu'on sait sur ce territoire, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent, comment on le voit d'ici 10-15 ans. C'est vraiment l'un des premiers exercices de cette envergure qui nous prépare même un peu à faire un mémoire l'année prochaine. Et du coup, là, on est arrivé à la moitié de cet exercice il y a quelques jours. Par exemple, pour mon groupe, on a fait une exposition photographique sur la Bourgogne. Et d'autres groupes ont fait des performances artistiques un peu plus théâtrales, scénarisées, etc. C'est vraiment libre à nous, comme a dit Manon, dans la forme du rendu, de faire ce qu'on souhaite pour le montrer au professeur. Donc ça aussi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans cet exercice d'Atlas. Moi, j'ai envie d'ajouter, parce que du coup, tu as l'autre moitié que vous n'avez pas encore faite, voilà, qui est très importante dans cet exercice, c'est le retour aux acteurs. Et en fait, l'exercice de l'Atlas, il nous sert vraiment à donc, avoir toute une partie de recherche, de penser sur le territoire, de conceptualiser son évolution. Et en fait, la deuxième phase, c'est donc le retour aux acteurs, où là, on a une démarche où à la fois, on tente de comprendre tout le système d'acteurs qu'il y a sur le territoire, que ce soit les simples promeneurs comme les élus ou les personnes qui vont intervenir plus directement sur le paysage. Et en fait, donc cette phase, elle sert à contacter les différents acteurs, les réunir et organiser une réunion participative avec eux, pour à la fois leur présenter toute notre recherche et aussi voir si elles concordent avec leur ressenti de leur paysage et puis du coup apprendre des besoins réels et locaux sur le site. Et c'est bien parce que c'est l'une des premières fois dans la formation où on est vraiment en train de dialoguer avec des gens, des élus du territoire et ça j'ai hâte de voir ça. C'est génial. Alors moi, un exercice qui m'a particulièrement quand même marqué dans le cycle de DEP, eh bien, c'est le travail qu'a évoqué le mémoire, le travail qu'a évoqué Ambroise, le travail du mémoire et du projet de fin d'études, mais surtout le mémoire. En fait, en tant qu'étudiant, donc en troisième année, on est amené à rédiger donc un mémoire de recherche sur une thématique donnée et ensuite une exploration sur un terrain donné aussi qu'on choisit. Donc là, on choisit notre thématique, notre sujet à aborder. Le mien, c'était par exemple le paysage ferroviaire, donc la perception du paysage depuis le train. Et donc là, on réalise donc un mémoire de recherche à partir d'éléments bibliographiques, de témoignages, d'études et de recherches qui ont déjà été effectuées, d'articles scientifiques, pour compiler toutes ces données avec notre regard et notre question qu'on veut poser, notre problématique. Et on vient ensuite le confronter à un terrain
Là, par exemple, mon terrain, c'était la ligne TGV Paris-Montparnasse-Nantes. Et donc, avec un travail exploratoire photographique et cartographique sur le site. Alors, j'ajouterais aussi que le DEP, ça constitue quand même un terreau scientifique pour les étudiants qui voudraient poursuivre ensuite dans la recherche. Il y a eu une conférence là-dessus, un direct live, donc sur le travail de recherche en paysage. Et puis, très rapidement, le PFE est aussi un projet qui m'a marqué. Évidemment, c'est le projet de fin d'études qui vient concrétiser bien nos trois années à l'école de paysage sur un site qu'on choisit et donc avec une thématique, une classe, calastrice, classe périurbaine, voilà. Et donc là, c'est sur des enjeux territoriaux, mais on est à la fois dans l'échelle du global et du local, avec, quand on descend dans l'échelle, des détails très intéressants qui on mobilise pour le projet. Et voilà, ça vient vraiment concrétiser nos années à l'école de paysage. On est fiers de monter une exposition, une soutenance orale, une plaquette sur cet élément-là, sur ce projet. Vous en avez dit déjà beaucoup. Moi, j'aurais choisi l'Atlas aussi, mais du coup, je vais parler de l'atelier 3, qui s'appelle « Conduire le vivant ». Et donc, c'est un atelier qui se réalise à la fin, il me semble, de la première année ou milieu de première année, et qui, en fait, permet de découvrir le site de Marseille, puisque l'idée, donc, de notre promo, on a fait ça, l'idée, c'était d'aller passer un mois à Marseille et donc de penser collectivement l'évolution d'un parc qui est un petit peu, pas à l'abandon, mais qui est un petit peu oublié dans la ville. Et donc, du coup, l'idée, c'est de venir interroger les usagers, interroger le site, faire des relevés, et après, concentrer les forces pour remettre en état, uniquement avec la force des bras et des outils, pour remettre en état le parc en une semaine. Et puis tout ça présenté en même temps en lien avec directement la ville de Marseille et le parc national naturel régional des Calanques. Et donc voilà, c'est un projet qui est hyper intéressant aussi parce que ça nous montre qu'on peut faire projet à échelle humaine. Et c'est encore une fois, c'est riche en apprentissage. Ouais, j'ajouterais, c'est vrai que sur cet atelier-là, où les thématiques écologiques qu'on peut avoir, le paysagiste est amené évidemment à concevoir son projet, aussi à le gérer, mais évidemment parfois à confronter aussi son regard sur le vivant. Et ça, c'est très intéressant sur un travail sur la forêt, sur la lisière, sur le sol, qui est le socle avant tout du paysage. Et ça, c'est vraiment très intéressant de descendre dans ces échelles-là, l'échelle du vivant. Ça, et, c'est vraiment... et avec le faire avec aussi. Et voilà, c'est ça. Ouais, totalement. On travaille avec ce qu'on a sur le site. Et... ouais, avec des intervenants qui viennent, des professionnels qui viennent lors de cette semaine thématique. Même les rencontres avec les usagers, c'est hyper intéressant. Ouais. Moi, je me rappelle qu'on avait, on avait repéré des plantes qu'on voulait, dans un milieu ouvert, qu'on voulait encourager. Et donc, du coup, c'était en train de se refermer avec des arbres. On en a coupé quelques-uns. Et il y a eu tout de suite des esclandres d'usagers qui sont venus crier pour défendre les arbres. Et nous, du coup, qui tentions de leur expliquer, oui, mais regardez, il y a d'autres espèces à valoriser. Et finalement, couper un arbre, c'est, on va en faire autre chose. Et ça peut être bénéfique au milieu aussi. Donc, il y a vraiment un échange comme ça avec le monde réel, j'ai envie de dire. C'est ça. Mais alors, moi, je ne vous parlerai pas de l'atelier 3, qui pourtant m'a aussi un petit peu aiguillée sur mon choix pour la suite de mon cursus, puisque donc, première année, j'étais ici et puis j'ai choisi de descendre. Moi, il y a un atelier qui m'a marqué. C'est pas un atelier de projet, c'est un atelier d'art plastique. Prendre appui, où on a été lâché pendant une journée sur la ville de Saint-Denis, devant le parvis de la gare RER, et on devait en fait capter l'essence du site. Qu'est-ce qui pour nous aider à prendre appui dans ce site-là pour ensuite dans un avenir futur, savoir comment, par quel bout prendre un site pour faire projet. Et en fait, moi, c'est un atelier qui a été assez déclic pour moi parce que ça m'a donné une perception de site qui influence tous mes projets depuis, en fait. C'est cette question du comestible, de la vie, du goût, en fait.
et que j'essaie d'infuser dans chacun de mes projets maintenant, sur le site de Marseille particulièrement, maintenant, et qui est aussi mon sujet de mémoire, du coup, qui m'a influencée jusqu'à ce point, et qui m'a donné une espèce de voie pour ce que je veux faire et comment je veux pratiquer mon métier, et qu'est-ce que je veux faire dans mes projets, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. Et en fait, j'ai pas pris appui sur Saint-Denis, mais j'ai pris appui dans le métier, quoi. Mais je souhaite rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai que les ateliers d'art plastique qui sont présents, parsemés tout au long des années, ils font tout autant partie que les grands ateliers de projet, en fait. Avec les différents professeurs et les intervenants qu'on rencontre, on a toujours des thèmes extra différents à chaque fois, que ça soit sur un vieux film en noir et blanc, sur un thème complètement éthéré, ou alors une visite de site, vraiment les pieds sur le site. À chaque fois, c'est 3 journées intensives, souvent, où on est amené à réfléchir à complètement autre chose de ce qui nous prenait la tête il y a une semaine. Et ça, ça fait vraiment du bien dans la formation aussi. Oui, puis ça vient en fait nourrir le projet. Ouais. Parce qu'on mobilise plein de compétences artistiques, que ce soit le film, la vidéo, la photographie, le dessin, la peinture. Enfin, on vient mobiliser comme ça des compétences qui peuvent nourrir le projet derrière, notamment aussi la réflexion. Et en DEP3, donc en troisième année, ça vient aussi nourrir le projet concrètement, parce que ça vient, il y a des semaines de thématiques comme ça, art plastique, plutôt de graphisme et de mise en page, d'affiches, ou alors lors du mémoire, du travail de l'ouvrage, quoi, du livre. Et donc, ces semaines thématiques art plastique sont très intéressantes, le travail sur le design, le graphisme, ça s'est mobilisé ensuite dans le travail du mémoire et du PFE. Moi, je rebondis encore dans une autre direction, parce que vous parlez d'intervenants qu'on rencontre pendant les ateliers d'art plastique. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas dans la question sur choisir un projet. Mais en fait, dans nos différents cours, on a aussi beaucoup de visites de sites, que ce soit des parcs, des places, des choses qui sont faites par des professionnels. Et donc, du coup, ça, c'est aussi prenant dans nos études, c'est ces rencontres avec les professionnels qui nous présentent directement comment ils en sont arrivés là pour faire ce projet, toutes les démarches sociales, économiques qu'il y a derrière. Et voilà, ça remplit aussi beaucoup notre formation, parce que ça nous permet comme ça de développer un carnet de référence, tout simplement, qui après nous aide pour les inspirations dans le projet, quoi. Alors, on a une autre question. Alors, quelles sont, parmi les compétences que vous avez pu acquérir au long de vos études, celles qui vous ont plus servi pour le DEP ? Une drôle de question, mais intéressante à la fois. Oui. En vrai, vu que, comme on a dit, les étudiants viennent de parcours totalement différents, je pense qu'il n'y a pas un parcours qui est inutile, en fait. On pourra toujours se servir de ce qu'on a vu auparavant pour nourrir nos réflexions, nourrir nos directions de projet, compléter ce qu'on est en train d'apprendre même. Et donc, peut-être que c'est un peu global ou naïf comme réponse, mais je dirais que tout peut servir pour le DEP. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez... Moi, je dirais surtout des choses toutes simples, mais parler et écrire, en fait. Ouais. C'est quelque chose qu'on a appris sous diverses formes tout au long de nos études, et quelque chose qui est... ici, on prend plaisir à parler, à présenter à parler pour nos projets, et à écrire aussi sur nos projets, et tout ça, quoi. Oui, totalement. Moi, c'est très basique. Plus personnellement, moi, c'est la technique, par exemple, que j'ai pu acquérir en bac pro ou en BTS. Oui, c'est vrai. Oui. Un apport technique sur le projet, les ouvrages construits. Puis le dessin aussi que j'ai pu mobiliser, la connaissance aussi du végétal. Mais voilà, c'est des compétences. Et sur des choses qu'on voit après dans l'école, je pense qu'il y a un peu des valeurs plus que des compétences, mais la persévérance et affirmer ses choix, on apprend ça aussi. On a envie de faire quelque chose, et en fait, on ne fait pas les choses gratuitement, il faut les justifier, il faut que ce soit construit, on apprend à faire ça. Ouais. Et ça sert... On se construit nous-mêmes au fur et à mesure du parcours, et on arrive à avoir à défendre nos convictions sur un projet. Totalement. Grâce à toutes les matières qu'on a pu amener. Ouais. Et encore une fois, que ça soit d'apport de matières qu'on a pu voir avant d'entrer à l'école, ou d'autres choses avec les matières qu'on apprend ici, je trouve que il faut vraiment pas négliger le fait de dialoguer avec les autres étudiants pour vraiment apprendre d'où ils viennent, ce qu'ils savent faire sur, par exemple, tel logiciel, etc. Vraiment, c'est une mine d'or, en fait, le dialogue. Donc, comme tu dis, parler et écrire, ça, on en revient à ça.
Du coup. Les étudiants viennent-ils principalement de la région parisienne ou toutes les régions? Est-il facile de se loger à Versailles? Alors pour répondre à la première question, je pense qu'on vient un peu partout. Moi je viens de l'ouest, de Nantes. Moi je viens d'Orléans. Moi je viens du sud-ouest de la France. Moi du sud. Et moi du nord. Donc, ouais. Les étudiants viennent de partout et même de l'étranger. On en revient au brassage. Et du coup, pour la petite anecdote, du coup, on organise souvent des rencontres apéro terroir partage chacun nos terroirs, et c'est là qu'on se rend compte de la richesse culturelle qu'on a. Et est-il facile de se loger à Versailles? Plus ou moins. J'allais dire oui et non, donc oui. Ouais. Alors, il y a l'école, mais on distribue des contacts. Oui. Une fois que vous êtes retenu, vous pouvez demander des contacts auprès de l'administration, auprès de l'école, avec des personnes qui possèdent des logements sur Versailles. Donc, il y a déjà un tableau comme ça, une référence qui permet de... Et aussi, je tiens à dire que pour les étudiants qui seront, dès qu'ils sauront qu'ils seront acceptés à l'école, n'hésitez pas à chercher sur Facebook le groupe des étudiants, oui. Où là, chaque année, à chaque fin d'année, à chaque début d'année, il y a à chaque fois des annonces. Bah oui. Je quitte mon appart, j'ai 2 places dans ma colocation, n'hésitez pas. Totalement. On s'entraide. C'est ça. Qu'envisagez-vous après votre dernière année? Pourquoi j'ai lu cette question? Allez, tu veux commencer? Pour l'instant, c'est très vaste. Moi, je me dirigerai plutôt sur un grand voyage de type tour du monde pendant 1 an pour après m'être ouvert l'esprit et les idées à cette école, vraiment voir avec mes pieds et mon corps dans quel monde est-on actuellement. Mais c'est un projet très personnel, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut, tout simplement. Moi, j'ai poursuivi du coup dans les études. Donc là, je fais un diplôme d'architecte urbaniste à l'école d'architecture de la ville et de territoire de Marne-la-Vallée. Et l'obtention quand même du DEP ne suffit pas quand même à valider bien des compétences en termes d'urbanisme, en termes de projets urbains. Donc j'ai choisi de compléter la formation DEP par ce diplôme. Donc, qui permet de renforcer quand même mes compétences en termes de projets urbains, les jeux d'acteurs aussi dans l'urbanisme, et puis les réglementations. Voilà. Ouais. Moi, je ne suis pas encore... Ce qui est marrant, c'est que plus j'avance dans mes études, plus des portes s'ouvrent et je ne sais plus laquelle choisir. Mais je pense que je commencerai par retourner sur différents projets que j'ai pu aborder en stage, notamment des stages à l'étranger. Et puis, j'aimerais bien participer à la mise en œuvre à travailler à la mise en œuvre sur le site de mon projet de fin d'études, donc intégrer des équipes et puis travailler avec elles. C'est peut-être loin encore. Moi, vu que je suis qu'en première année, je pense que j'ai pas encore le recul pour définir mon projet professionnel. Donc, en troisième année, je pense que ça se concrétisera plus. Et pareil que Manon. En première année, j'étais perdue. Et là, plus ça va, plus je m'intéresse à la partie maîtrise d'ouvrage. Donc j'aimerais bien travailler dans ce monde-là. J'ai fait un stage en CAUE cet été. J'ai vu un peu l'envers du décor, ce qui se passe avant le projet. J'ai rencontré pas mal d'acteurs. Et c'est vrai que la phase de réflexion avant le projet est tout aussi importante pour que le projet soit de qualité. Donc dans l'idéal, j'aimerais m'orienter là-dedans, trouver une structure ou une collectivité que je puisse appuyer pour les projets qu'elle a envie de faire et pour qu'il y ait une cohérence après à l'échelle territoriale. Quoi. Donc oui, c'est très vaste. Hein. Des étudiants peuvent partir dans la scénographie, devenir plasticien. Enfin, c'est vraiment très, très ouvert. Quoi. Oui. Alors, dans ma promotion, donc, je peux évoquer, il y en a donc, qui sont partis dans des agences de paysage, d'autres qui montrent leur propre structure. D'autres personnes aussi qui continuent dans des études d'urbanisme ou d'architecture, qui refont un master en architecture. D'autres personnes aussi qui s'orientent plutôt vers la recherche pour la suite en paysage. Donc voilà, et d'autres qui font, comme Ambroise, un voyage aussi
sur un site, sur un pays qu'ils ont pu visiter lors de stages ou d'autres expériences. Donc voilà, un peu le panel est large, et surtout les structures ensuite d'accueil pour les paysagistes sont, ouais. Sont vraiment... il y en a pas mal, quoi, il y en a beaucoup. Il y a une autre question difficile, là. Oui. Pourquoi avoir choisi l'ENSP plutôt qu'une autre école de paysage? Moi, j'y ai réfléchi à cette question. Je veux bien commencer à répondre. Vas-y. Bah, vu, dès que je suis sorti du bac, pour rappel, j'ai passé 3 ans à étudier à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que j'ai changé pour venir à Versailles? Moi, c'était surtout un déclic que j'ai eu aux portes ouvertes, en fait, tout simplement, où je me suis rendu compte que les pédagogies n'étaient pas les mêmes. Donc, pour tous les étudiants qui regardent cette vidéo, moi, je vous inviterai vraiment à regarder le maximum de portes ouvertes de contenu que les différentes écoles partagent pour vraiment vous faire à l'idée de est-ce que, de ce que je vois, la pédagogie, la mentalité me convient mieux? Est-ce que ça me paraît plus en accord avec ce que j'aimerais faire plus tard ou avec ce que je suis en train de faire dans mes études actuellement? Donc, pourquoi l'école de Versailles plutôt qu'une autre? Je pense que pour moi, en tout cas, c'est ça. C'était cette ouverture d'esprit, cette ouverture de réflexion dans les projets, à la fois dans la réalité et après de pouvoir mettre les pieds sur terre avec les petites parcelles potagères. Ça, c'était aussi un très gros argument de vente pour l'école. Je ne sais pas si vous avez un... Moi, en fait, c'était mon choix. Il s'est plus orienté en fonction de la renommée internationale de l'école, parce que j'avais dans l'idée de travailler à l'étranger par la suite. Et c'est vrai que bah, quand on dit qu'on a été formé à l'ENSP de Versailles, tout de suite, souvent, peu importe où, il y a un savoir-faire qui est attaché à Versailles et donc du coup qui parle beaucoup à l'international. Et puis, après, j'ai envie de dire aussi qu'il ne faut pas se formaliser parce que les passerelles sont possibles entre les différentes écoles. Notre promo, elle l'illustre plutôt bien. Enfin, on a tous commencé à Versailles. À partir de la deuxième année, il y en a qui sont partis à Bordeaux, d'autres à Marseille. Il me semble qu'il y en a un ou deux qui sont partis à Lille. Et oui, Marseille, c'est la même école que nous. On garde un lien privilégié, quand même. Mais les passerelles sont tout à fait possibles. Donc, voilà, un choix, vous vous engagez. Après, chacun voit les choses comme il le sent, mais on ne s'engage pas forcément pour 3 ans. Il y a des passerelles possibles. Quoi. Puis c'est plus personnel. C'est pas qu'il y ait une école meilleure que l'autre. C'est qu'il y a... Chaque école a sa spécificité. Ouais. C'est quelle spécificité vous correspond mieux, quoi. Donc, ouais, oui, c'est ça. Tu disais chercher, découvrir toutes les écoles. Mmh. Ouais, pour le clin d'œil, le paysage, c'est né ici. Hein, donc. Non, puis on a la proximité aussi de la capitale avec Paris pour les expos. Moi, c'est ce qui m'avait aussi. C'est vachement, ouais. Vachement intéressant, ça, d'avoir les expos, les conférences à portée comme ça de main, quoi, à la porte. Alors, il y a une autre question. Alors, avez-vous fait un Erasmus ou Emila? Si oui, qu'avez-vous retiré de cette expérience? Du coup, non, pour l'instant. Non. Enfin, c'est... on peut en parler de ceux qui l'ont fait, en tout cas, Erasmus ou Emila. Mm. Moi, je sais que j'ai 2 de mes amis, par exemple, qui viennent de partir à Oslo. Et pour l'instant, ça se passe très bien. L'université est très accueillante. Et ça fait à la fois du bien de partir de la France dans des temps aussi troublés. Mais je trouve que c'est toujours une très bonne opportunité, que ce soit Erasmus ou Emila, de se rendre compte, encore une fois, de la différence de pédagogie qu'il peut y avoir entre les différents pays. Là, c'est encore plus grand que les différentes écoles. Et c'est toujours des bons moments passés, avec des bonnes rencontres internationales. Donc, n'hésitez pas à regarder, à vous renseigner sur ça. Quoi. Oui, puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux. Oui. Je suis sûr qu'il y aura des étudiants qui seront ravis de vous répondre à ces questions-là. Il y en a qui rentrent d'Emila, là. Oui, si, oui, qui rentrent. Ce matin, j'ai déménagé une amie qui est revenue d'un Emila. Elle avait l'air plutôt contente et on n'a pas eu encore l'occasion de beaucoup parler, mais elle a l'air d'avoir d'autres visions et d'autres approches qui viennent enrichir finalement ses démarches de projet. Et donc c'est bénéfique à tout point de vue, je pense. Alors il y a une autre question. Est-ce que vous réalisez des projets communs avec les étudiants de Marseille pendant vos études? On aimerait bien en avoir plus. On a des liens, on continue de se voir et d'échanger.
Après, c'est vrai qu'au niveau des projets, c'est compliqué parce que je pense qu'on n'a pas la même temporalité des projets. On n'a pas, enfin, on débute des ateliers à différents moments. Du coup, c'est complexe, quoi. S'il y a des projets communs, c'est plus en extra-école qu'avec l'école où on n'a pas du tout les mêmes rythmes. Bah, référez-vous au direct de ce matin de Versailles et de Marseille. On a des plaquettes pédagogiques différentes et du coup, des déroulés différents, quoi, qui font que ce n'est pas toujours possible. Ça sent la question d'étudiant, ça. Alors la question, qu'est-ce qui fait que l'ambiance et le NSP est si incroyablement cool? Bah, moi, pour répondre, en fait, vu que j'étais avant dans un BTS et dans un lycée, il n'y avait pas du tout cette ambiance. Et en fait, en arrivant à cette école, j'ai vu qu'il y avait une dimension très conviviale, que ce soit entre nous, parce qu'on est souvent dans les ateliers ensemble. On passe des journées, des fois, les pauses repas, on est toujours ensemble. Et il y a aussi même le rendu avec les professeurs. Les rendus sont toujours très conviviaux. Il y a beaucoup de bienveillance. Mmh. Et aussi, je veux dire, tout le monde fait en sorte que tout se passe bien, que ce soit au niveau des soirées, au niveau du travail. Donc, je pense que chacun met du sien. Et c'est ça qu'en fait, enfin, c'est ça qui fait que le NSP, c'est une très bonne école. Oui, une ambiance un peu familiale où tout le monde se connaît un peu. Ouais, sur le même site, sur l'insérin. Pour rappeler, je pense que nos promos sont d'à peu près une cinquantaine à l'entrée et au sortir de l'école, on est à peu près une trentaine. Une trentaine ou une quarantaine par là. Ouais. Donc ça fait vraiment des petites promotions où on apprend à connaître les gens sous plusieurs aspects. Ouais. Mais c'est même au sein du programme pédagogique de créer comme ça cette émulsion, parce que notre année, elle commence par le voyage inaugural. C'est-à-dire qu'on fait notre journée de rentrée à l'amphithéâtre de manière très formelle, où on parle, mais peu seulement avec ses voisins. Et dès le lendemain matin, à 7h du matin, tout le monde a rendez-vous en car devant l'école. Et on part pour une semaine sans savoir où le car va aller. On ne sait pas du tout. Et c'est vraiment une semaine, chacun perd ses repères, et puis c'est là qu'on crée du lien. Et après, on ramène ce lien à l'école. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, quand on est en deuxième année, en troisième année, quand on voit les premières années faire cette expérience et revenir, on voit un changement radical dans la façon d'échanger entre eux et la façon de se présenter à nous. Et ouais, c'est un moment, je pense, qui fait que c'est un peu l'étincelle qui commence l'école. Est-ce que vous faites des projets en commun avec les étudiants en architecture de Versailles ou de Marseille? Du coup, je pense pas qu'on fait des projets scolaires, honnêtement. Scolaires, non. Alors pour le DEP, donc peut-être les APA, je ne sais pas comment ça se passe. Mais oui, j'imagine que les APA, donc ceux qui sortent du baccalauréat et qui font 2 ans, forcément la formation, vu qu'elle est séparée en 3 entre art, architecture et paysage, voilà, merci. Forcément qu'ils vont faire des projets avec les professeurs de l'école d'architecture et encore plus des beaux-arts à côté. Mais au niveau du lien avec cette école, en tout cas pour Versailles, c'est beaucoup plus des initiatives étudiantes, oui, par exemple des workshops communs, des workshops plus loin en France, sur des semaines de vacances, etc., avec des projets de construction, etc. C'est plutôt extrascolaire, du coup. Oui, c'est ça. Ouais, nous, c'est un peu panaché, on n'a pas vraiment de projet pédagogique commun, mais autour d'associations étudiantes, particulièrement Graines d'Archi à Marseille. Là, on mène un projet commun qui est entre le vrai projet et le projet extra-étudiant, enfin extra-scolaire, autour donc de la construction de l'IMVT, parce qu'il y a un gros projet qui s'appelle, enfin, une organisation qui fait qu'il y a un chantier, une école, et donc autour du chantier de l'IMVT, il y a une école primaire du premier arrondissement de Marseille qui va être amenée à découvrir en fait les métiers d'architecte, de paysagiste et d'urbaniste. Et donc on vient proposer des petits ateliers menés, guidés par des étudiants de ces 3 écoles-là pour présenter les différentes formations, les différents métiers, à quel moment tel professionnel intervient sur le chantier et du coup ça participe aussi donc à faire découvrir ces métiers-là et nous à avoir un projet commun sur un bloc d'urbanisme, en tout cas pour Marseille, quoi. Oui, et ça change de sujet. Je vois qu'il n'y a plus tant d'autres questions sur le chat. Merci à tous pour vos questions, vos interrogations. J'espère qu'on a répondu à vos questions.
Et je souhaite juste ajouter un petit quelque chose qu'on a oublié, donc c'est que les étudiants en paysage sont représentés nationalement par l'UFEP, et là l'acronyme sort de ma tête au mauvais moment, L'Union donc française l'Union française des étudiants en en paysage, paysage. et qui du coup là c'est une association donc nationale qui met en lien des étudiants des différentes écoles du paysage et qui apporte une réflexion sur les conditions de vie étudiantes en paysage, sur la manière, les différentes pédagogies, et qui a un lien aussi avec privilégié avec les associations étudiantes en architecture et en urbanisme, et qui eux aussi tentent de communiquer autour de tout ce que les étudiants en paysage finalement ressentent aujourd'hui, qui est qu'on doit fonctionner avec les autres corps de métier de l'aménagement, et ça dès nos études, puisque les rencontres professionnelles commencent maintenant, quoi. Du coup, voilà, donc petit clin d'œil à l'UFEP, bonjour aux collègues. Et donc, il y a l'UNEAP aussi, du coup, avec l'Union nationale des étudiants en architecture et en paysage. Donc, c'est quelque peu la même chose quand même avec l'UFEP. Une dernière question arrive. Alors, donc, y a-t-il des cours réguliers de jardinage en complément des cours théoriques? Alors, eh bien, oui, lors des journées ou des semaines écologie, donc avec le département écologie de l'école, on a des semaines thématiques comme ça sur une thématique donnée, que ce soit le sol, la forêt, la lisière, la prairie. Donc voilà, c'est des thématiques comme ça qui sont données. Et donc, on fait des visites de sites sur des sites différents en fonction de cette thématique-là. Et ensuite, il y a un rendu derrière sur cette thématique avec un projet un peu. Et donc, le département écologie aussi, il y a donc des cours de jardinage un peu avec les encadrants et les enseignants donc, en écologie, dans le potager du roi, sur nos parcelles. Donc sur les rotations de culture, sur les périodes de semis ou autres. Donc voilà, Comment couvrir un sol? ouais, voilà. Donc il y a bien des et donc et ces semaines un peu thématiques sont ponctuées et bien d'apports théoriques et pratiques aussi par des experts du sujet, des ingénieurs agronomes, des botanistes, voilà, des écologues sur ces thématiques-là. Donc ça permet de croiser, de nourrir aussi le projet derrière, hein, les projets qu'on peut avoir, les différents ateliers. Encore une question, ressentez-vous des doctrines au sein des enseignements? Drôle de question. Des doctrines, moi je dirais que l'une des seules doctrines que j'ai rencontrées jusqu'à présent, c'est de s'ouvrir au maximum en fait. Donc c'est pas mauvais du tout. Peut-être qu'un étudiant pourrait se sentir un peu perdu en début de phase de réflexion de projet par exemple, mais je trouve que c'est, comment dire, cette recherche qui peut être un peu allongée va vraiment permettre à l'étudiant de trouver sa propre voie. Donc honnêtement, pour ce qui est d'une doctrine, je vois pas trop, je pense pas trop qu'il y en ait. Hein. Non, Non, on ça a vient. des enseignants qui sont praticiens et qui ont différentes manières de pratiquer le métier, Oui. mais et qui nous livrent comment eux font. Mais après, c'est vrai Et même on les voit tout ce qui se enseignants. fait et on fait nous Ouais, notre voilà. propre sauce. Donc, C'est marrant de constater qu'aussi, enfin, au fur et à mesure que les professeurs nous expliquent le projet, eux-mêmes remettent en question leur propre doctrine, quoi. Donc, c'est un travail constant, aussi bien des profs que des étudiants. Donc, voilà. Ouais. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions. Quelque chose arrive. Alors, on peut peut-être alors peut-être rapidement un peu comment s'organise, enfin très rapidement un peu ce qui a pu nous marquer dans l'enseignement, juste des points clés comme ça qu'on peut retenir. On pourrait se faire Ouais, ça c'est vrai. rapidement. Alors, je peux commencer déjà. Moi, c'est vraiment la culture du projet en atelier, cet espace dédié au projet avec les groupes où on échange tous ensemble. On peut le voir sur la photo, sur le diapo, avec l'installation d'une carte IGN là notamment. Où on est vraiment ouais, tous ensemble et à traiter des projets multiscalaires, donc à différentes échelles, en fonction de l'atelier qui monte dans les échelles, l'échelle du parc, à l'échelle du territoire. Et puis une approche aussi transdisciplinaire avec, eh bien, on a pu l'évoquer, l'écologie, la technique,
Voilà, il y a plein de disciplines comme ça qui rentrent en compte, l'art aussi, la culture. Donc voilà, donc ça c'est moi c'est ce qui m'a marqué un peu de l'école vraiment. En plus du site, du potager évidemment. Bah, comme ce que tu dis, ce qui m'a marqué c'est avant tout le côté excusez-moi touche à tout et bienveillant en fait de l'école, qui fait qu'on est vraiment on commence à devenir apte à mettre notre œil, nos mains dans un peu n'importe quelle situation de la vie. Donc c'est très très plaisant, quoi. Moi, c'est aussi le côté où on apprend beaucoup des autres et en fait, on ne cesse jamais d'apprendre à l'ENSP, même si on a des cours et des encadrants, des professeurs, aussi les élèves de la classe nous apprennent tout le temps. Et moi, je sais que depuis le début de l'année, j'ai vraiment appris énormément de choses par rapport aux parcours différents et toujours, comme tu l'as dit, dans la bienveillance. Donc, je pense que c'est ça aussi pour moi le point fort de cette école. Oui, on est tous unis et. c'est une grosse famille, quoi. Ouais, exactement. Qu'on soit, en plus, nous, c'est vrai qu'on a, avec Maxime et toi aussi, avec la nouvelle promo, mais on a passé une année ensemble et donc, même d'être sur deux sites différents, ça fait qu'il y a quand même un truc, quoi. Et moi, quand je suis revenue il y a 2 jours, ça m'a fait tout bizarre d'être ici et ça me fait plaisir de revoir des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Mais voilà, c'est plus qu'un lieu d'études, le potager, c'est un lieu de vie pour nous aussi. Donc, on y est tous d'une autre. Moi, ce que je retiendrai, c'est que ça fait prendre conscience que notre voix compte et qu'on a besoin d'entendre nos voix et que les sujets auxquels nous, jeunes générations, on pense, ce n'est pas des sujets que les professionnels ont forcément le temps de traiter dans la vie active actuelle, du moins la plupart du temps. Et du coup, c'est vraiment. On apprend un métier d'avenir et qui n'est pas prêt de disparaître, je pense. Je pense qu'on en est un peu tous convaincus. Du coup. On a besoin d'être encore plus nombreux et rejoignez-nous. Et c'est une expérience qui, vous parlez de famille, mais c'est ça en fait, c'est quelque chose qui, je sais pas, enfin c'est indescriptible, ça va chercher au plus profond de vous et ça vous fait découvrir qui vous êtes et pourquoi finalement, pourquoi vous êtes sur cette terre et qu'est-ce que vous pouvez faire sur le temps de votre vie. Voilà. Je pense que c'est une magnifique phrase pour conclure. Ouais, c'est profond. Hein. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Et à bientôt. À bientôt sur nos réseaux. Merci.